Je crois que j'avais vu. Il est plus pour Suisse. Hein. C'est trop bien, son jeu de Suisse. David Cassel Lopez. Oh, en même temps, il écrit tellement bien. Il a aussi il a son spectacle. Et toi, t'es persuadé qu'il va être méchant, c'est ça? Yael. En gros, un code barre, ça. Tu dis que. C'est les connards. C'est des vilains pas beaux. Et l'arc en arme à distance, tu kifferais pas, Lucas? En arme à distance, on est d'accord. Hein, cette, là, t'aurais ton, ta dague et ton arc, tu serais. Voilà, c'est ça, un peu le rêve. Il y a des. Ah, il y en a plusieurs? Ah, je savais pas. Costaud? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Ah putain, mais comment tu devines un truc pareil? Et voilà. What? C'est vrai qu'elle dort, on a pu la voir, mais. T'as quand même envie de savoir? Non, je peux pas. Je vais les spoiler sinon. Ouais. Je te ferai ça. Mais ça va, je suis la challenger. Donc je suis revenu à la vie. Mais ouais, l'arc en plus, le feedback, mec, génial. Ce côté flèche qui rempale, c'est. Salut Sheridan, salut Viria, salut Vangui, salut Studix. Allez, un peu de folie. Hein. Donc Lucas a sa dague. Enfin, Zelos a sa dague, cher viewer. Et là, est-ce que tu vas maximiser les dégâts au corps à corps ou mélange par derrière? Est-ce que tu préfères, toi, genre, juste des dégâts au corps à corps ou quand même essayer les trucs par derrière? Parce que je crois que, attends, en vrai, tu ajoutes une lance et t'as un style à ton perso New World. Mais tu sais que j'ai une lance sur mon autre perso. Là, je l'ai pas sur ce personnage-là parce que j'ai pas eu le boss. Mais on a chopé une lance en fait qui fait exactement comme New World où tu peux la lancer. C'est-à-dire que quand tu fais l'attaque chargée, ça fait un javelot. Et sinon, tu te bats avec la lance. Pardon? Parfois, on la ressent. Ah putain, c'est vrai que. J'ai un screen, enfin j'ai une vision de moi où j'ai la tête empalée par la lance de Pookie. Et Pookie qui fait non, c'est pas moi. J'ai rien fait. C'est pas moi. C'est pas moi. Un Pookie le déni, quoi. Est-ce que ce soir tu veux faire Ouais, pourquoi? On a un truc? Vu que Pookie n'est pas dispo demain, pourquoi tu peux pas. Mais il est aussi pas dispo ce soir? C'est pour ça? Ah d'accord. Non, ce soir il raid. Et demain il prend sa soirée. Mais moi j'aurais bien fait un peu l'escalade roche. C'est pas le moment de paniquer. Ah, dans ce sens-là. Ah oui, non, du tout. J'ai cru que c'était autre chose. Ok. Ça marche. Non, bah après, moi là, il faut que je finisse de toute façon ma run. Mais là, en fait, en gros, je vais ralentir un peu ma run. J'ai envie de. Parce que maintenant que j'avais raté un truc sur la map. En gros, sur la map aussi au-dessus de TP. Et bah, tu peux voir ce que t'as raté. Enfin, tu sais pas où c'est, mais tu sais si t'as raté quelque chose. Et j'ai raté. Alors, pas tant que ça de truc en vrai. Mais quand même. Merde, j'ai raté un coffre là d'ailleurs. Enfin, en blablatant. J'ai quand même raté 2-3 zones. C'est le Kinder Menu, donc on va corriger ça. Et ouais, Lou, non mais c'est. En fait, même là, en jouant à l'arc, en plus avec cet univers surnaturel, j'ai une grosse vague New World. Ce qui me va très bien. Hein. New World d'ailleurs qu'on retrouvera sûrement un peu en août. J'attends notamment la sortie de la Transmo et du deuxième raid. Enfin, du troisième raid au final, le siège de soufre. Ah, alors là pour l'instant, bah, je fais le pouvoir. De toute façon, il attaque de lui-même. Oh, il est d'ailleurs. Je sais bien, je crois. Et là, je suis pas. Pauvre Bibi. Mais non, mais. Ah, mais t'es monstrueuse! J'aime pas ça. Mais ouais, le jeu est top, hein. Franchement. C'est les Frégis. Je trouve qu'ils ont vraiment réalisé quelque chose de très beau avec ce jeu. Ah mais ouais, il y a jeune. Mais ouais, je pense résultat, même les sauts, je sais pas si tu pourrais rejouer en vrai parce que. Je pense aussi, hein. De convieillissant, ça a pas aidé pour jouer sans blaguer là. J'aime bien le charrier comme quoi t'as 200 ans, mais
Le fait est que t'as de plus en plus de mal sur les jeux à 30 personnes, quoi. C'est vrai que t'as pas tes lunettes en plus hier, par contre, j'ai vu ça. Un orthoptiste. Madame, vous êtes Miro. Faudrait voir Lou, mais globalement c'est le jeu à 30 personnes en fait qui lui pose problème. Elle a vraiment les yeux flingués, Nat. C'est la stéréotopie. Ça serait, je serais vachement curieux de voir. C'est la stéréotopie, je crois, non? Stéréo. Non, c'est pas ça, attends. Mais j'ai raté un coffre, putain, je rate plein de trucs. Attends. Parce que là on blablate, j'ai les copains qui blablatent à côté, donc je suis pas giga focus. Mais vraiment là, le Remnant, le cher viewer, prenez-le. C'est génial. C'est... Je pense vraiment, il a, pour moi là, en termes de coup de cœur, hein, on est quasiment, je pense, au niveau d'Elden Ring, et que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Non ! Je viens de me suicider. Mais ce passage de merde ? Ce passage du démon ? Je viens de me suicider comme une merde. Les gamines. Ah, maître chien niveau 6. En final, maître chien, c'est pas génial en solo le chat. Parce que c'est surtout cool pour l'autre truc. Je pense que je vais monter notre classe. Ah, belle, attendez, excusez-moi. Allô? Oui? Oui, ah! Dites-moi tout. Tout à fait. Magnifique. Magnifique. Ouais. D'accord. Ah, ouais, comme je vous ai dit, c'est... parce que moi, à la base, en fait, on m'avait dit... Enfin, le Dylan m'avait dit que c'est pas avant septembre. Quand vous savez, quand j'étais encore chez vous, et donc là je me suis organisé, et mais ouais, c'est dans tous les cas, moi j'ai les sous, je vous dis au plus tôt, je pense le 2 ou 3 août. Voilà, je peux pas faire avant. Non, là c'est en fait, c'est mon argent était investi, et le temps, vous savez, de sortir, bah ça prend une grosse semaine, quoi. C'est ça, exactement, c'est via les cryptos, et donc j'ai un temps d'attente. Tout à fait. Et donc voilà, donc je suis obligé, en fait, il y a un délai incompressible d'environ de 2 semaines, et j'ai lancé le truc il y a 1 semaine et quelques. Donc voilà. Après, moi, je suis pas à quelques jours, hein, si elle reste, je pense que ça vous dérange pas, enfin, de pouvoir la stocker pour l'instant. D'accord. Ah, ça vous aurait fait une petite prime ou un truc comme ça pour vous, c'est ça, non? Ah. Mmh. C'est ça. Et j'aurais pu m'y prendre avant, mais c'est vrai que je m'attendais pas initialement, c'était pour septembre, quoi. Simplement.
J'ai hâte de la voir. C'est la grimace, ça. Ouais. On rejoint une marche. Elle se vend bien, je suis curieux. Je sais pas si vous en vendez beaucoup des GT. C'est quoi? C'est quelques une par mois ou même pas? Même pas, ouais, okay, ouais, c'est rentré. Hein. Ah oui, effectivement. Félicitations à vous, résultat. Magnifique. Avec grand plaisir. Même si vous en faites plusieurs, je vous en voudrais pas, hein, au contraire. Faites-vous plaisir. Donc. Ça marche. Ça marche. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Emma. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir. Attendez, je suis à vous le chat, je vous explique la conversation. Ah, je vais crever. Je pense que je suis mort. Ou pas. Recharge, 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 enfoiré. Mort. Putain, au téléphone, c'est costaud. Nat, la voiture est là, c'est bon. On pourrait même la voir, genre, dans quelques jours, mais bah, faut attendre le virement de l'appart. Donc voilà. Vas-y, Kobashi, GG à toi. C'est très cool. On fait la Belgique, ça veut dire aussi. Je sais pas si Niben, Atrix ou d'autres Belges, voilà. On va faire la Belgique, et alors dans tous les cas c'est déjà validé hein, pour Colne, Collard, parce que là j'ai plusieurs choses qui se sont goupillées pour la Gamescom, donc quoi qu'il arrive, j'y allais, même si j'aurais dû y aller en... avec la coccinelle, j'y serais allé quoi qu'il arrive. Et par contre, ouais, on va y aller bel et bien avec la CAD, donc vous allez avoir une vidéo de présentation, il va y avoir bel et bien le roadstream à l'aller et au retour de Colne. Ah. Ouais, mais il dit Colne, donc je sais que c'est Cologne, mais il dit Colne, je dis Colne, voilà, je répète. C'est con. Collard. Voilà. Donc voilà, la petite Ferrari de 2023 arrive. Elle était presque plus excitée de moi au téléphone. Et voilà. Oui. Ouais. Full électrique. Je passe à l'électrique ou non temporairement. On verra bien ce que ça donne. Ah, je suis content. Mais oui, effectivement, là, faut que j'attende un peu avant de vendre. Enfin, je suis en process. Ah, salut sur PC. La nouvelle voiture arrive, ça y est. Donc là, actuellement, elle est à La Seyne-sur-Mer. Et voilà, donc je l'aurai. Parce que donc moi, j'ai mon fric le 2 ou 3 août. Et donc, je vais la revirer et tout. Ouais, je l'aurai la semaine... Ah, je pense que j'aurai la semaine du 7 au 7-11. Pas encore, je ferai la vidéo, je ferai une vidéo et toute présentation, vous aurez la totale. La Seyne-sur-Mer, ah bah oui, c'est là où je l'ai acheté à la concession Kia Toulon. Et pour vous dire, ils en ont vendu moins de 5 en un an. Pour vous dire à quel point le bordel est rare. Parce qu'en fait, Julie, les gens ont beaucoup de mal à imaginer de lâcher 70 000 balles pour une Kia, quoi. Là où les mêmes mecs ont la thune le lâcheraient pour une Porsche ou je sais quoi, sans problème. GT en comptant... Non, GT Line ça compte pas, des GT, GT Line c'est rien à voir, c'est juste une finition. Personne n'en parle des GT Line. Faut vraiment que vous compreniez que GT Line c'est juste une finition. Quand on parle de GT, on a... mais en général c'est... GT Line ça ne... Enfin, ça n'a rien, c'est juste un badge en fait derrière quoi, c'est tout.
Alors pour le coup, c'est une électrique. Alors j'aimerais bien ce cure, mais c'est limité à 260-265 environ. Max. C'est moins rapide que la RS7, hein, la QV6G. Elle est moins rapide à tout niveau. Elle a moins de. Je crois qu'elle a à peu près le même couple. C'est-à-dire qu'en gros, la même accélération, mais une vitesse max est largement inférieure. Parce que la RS7, je crois que la vitesse max doit être à 315-320. Là, on doit être à tout péter à 265. Alors, comme tu le dis, voilà, tu as utilisé le bon mot, le planificateur. Il y a des sites, enfin des applis maintenant qui gèrent en fait tout pour toi, donc très bien. Le mec est en congé pour l'instant, mais il a pas eu l'appel. Donc on va peut-être devoir la baisser de prix, on verra. Après l'électrique en soi, moi je m'en carre, hein, sûr. J'ai, la seule raison pour laquelle j'ai pris cette bagnole là, point d'exclamation Ferrari, tiens, pour le coup elle a déjà sa commande au final. La seule raison pour laquelle je l'ai pris, c'est parce que je suis vraiment tombé un peu gros coup de cœur, toi, visuel, la bagnole. J'étais curieux de tester l'électrique. J'étais vraiment curieux de tester ça. Mais c'est surtout un coup de cœur visuel et de place. Donc voilà. C'est pour ça que je l'ai prise. Et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Oui, Lou. Faudra la changer un jour. Petite 407. Ouais, bah comme ça, je me dis au moins, j'oublierai pas là. C'est déjà fait. Salut Geronimo. Mais ouais, donc là. Tu comptes faire un covering de la Kia? Bah non. Ah, tu parles un PPF ou un covering? C'est pas pareil. Je me serais pas fait chier à la prendre en rouge magma si pour faire un covering, je pense. Parce que je kiffe la couleur rouge pour le coup. Si tu parles un PPF, c'est possible. PPF, c'est la protection. Un covering, c'est quand tu changes la couleur. C'est-à-dire qu'en gros. Un covering et un PPF, c'est la même chose en théorie. Sauf qu'un PPF, c'est un covering plus épais que le covering, transparent, qui a pour but de protéger la voiture. Un covering est vraiment là pour altérer la couleur. Un PPF, oui, il y a de grandes chances. Oui, c'est surtout que là, la Kia, le but du jeu, c'est que ça soit mon daily. En gros, voilà, la voiture que j'utilise au quotidien pour aller faire mes courses, pour toute ma vie, quoi, pour faire un petit trajet, pour bouger un peu, etc. Je les ai vus, Lou, t'inquiète. J'ai bien tout vu. Tout à fait. La PPF, la RS7 a un PPF à l'avant. Ça c'est possible, ouais. Bah ça vaut vraiment le coup parce que... T'en manquais pas 5000, Jitsu? Je comprends pas, t'en as eu 10 000, là t'as gagné une clip. Et re Jitsu, t'as gagné les clips. T'en as eu 10 000 des points de chaîne. Pas des points de site. J'ai vu, ouais. Et oui, t'as gagné. Va sur le site, Jitsu Tero, banane. Ouais, en plus ça tombe bien, je viens de choper un checkpoint là où j'en suis. Putain, je suis à l'endroit des boules. Ouais, ça me fait. C'est en solo, hein, ça donne. Va terminer là tout à l'heure. Mon petit bibou là, reviens là. Je vais passer sur l'autre perso, je reviens au checkpoint. 2K qui a dit. Ah, 2K. Hop. Voilà. Ah, j'ai hâte pour la K. Et c'est vrai que tu vas la voir, tu seras à la maison pour le coup. Tu vois, jusqu'au 10, c'est ça? Ah, on va voir. Attends, ça sera à peu près dans ces deux-là. C'est la première zone qu'on a fait avec. Ah, vous jouez avec Socure? Oh, trop bien. Ça me fait toujours plaisir quand les viewers et quand c'est tout à jouer ensemble. C'est cool.